Ouais, c'est vrai, je me sens bien dans cette équipe. Plusieurs personnes parlent français et puis j'ai la possibilité de pouvoir aussi parler anglais avec certaines autres personnes. Je me sens vraiment à l'aise, tout le monde me répond, je peux communiquer avec tout le monde et ça, c'est le principal et c'est une bonne chose pour moi. Ouais, je connais quelques mots déjà. Privat, kakdiela. Je connais que ça pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, pour la suite, ouais, je pense que je vais prendre quelques cours de russe pour essayer d'apprendre la langue et rajouter ça aussi à mon panel. C'est vrai que le foot français s'est beaucoup développé sur ces dernières années. Voilà, on a remporté 2 Coupes du Monde, dont une en Russie. Et c'est franchement, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que dès le plus jeune âge, eh ben, on a mis des très bons éducateurs. Donc c'est pour ça qu'on a une équipe de France très jeune, avec de nombreux talents, comme Mbappé, Ousmane Dembélé ou d'autres. Et ça c'est bon pour le pays. Donc plus vite les jeunes joueurs seront prêts pour aller au haut niveau, et plus l'équipe de France sera talentueuse. J'espère que ça continuera dans les prochaines années, et que moi aussi, pourquoi pas, je pourrais faire partie de cette équipe. Non, j'ai toujours joué attaquant. Depuis le plus jeune âge, j'ai toujours été attiré par le but tout le temps. J'ai toujours eu envie de marquer des buts. Et ensuite, je courais assez vite aussi, donc c'est pour ça qu'on m'a placé devant. Donc j'en ai profité aussi pour mettre mes qualités au service du collectif. On va commencer par les faiblesses. Je pense que je dois continuer mon travail défensif. C'est toujours très important pour aider l'équipe. Techniquement, parce qu'on peut toujours progresser techniquement. Donc ça, c'est normal. Et ensuite, je pense que je dois essayer d'apprendre à gérer certaines émotions. Ça veut dire ne pas être déçu quand je rate une occasion et vite passer à autre chose pour marquer d'autres buts. Ensuite, pour mes qualités, je dirais que je suis un joueur rapide. J'aime beaucoup jouer vers l'avant. J'ai une grosse frappe de balle. Et surtout, ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire briller mes partenaires. Donc quand je dois faire la passe, je fais la passe. Et si je dois marquer un but, je le marquerai. Mais ce que j'aime, c'est faire briller mes partenaires et rapporter des points à l'équipe. En tant que Français et en tant qu'attaquant, moi, ça a été Thierry Henry. Thierry Henry, ça a été mon idole, mon modèle. J'ai toujours essayé de m'inspirer de lui. Et franchement, j'ai eu la chance de travailler avec lui aussi quand il était à Monaco en tant que coach. Et j'ai beaucoup appris, et maintenant j'essaye de mettre tout ce qu'il m'a donné comme conseil en application sur le terrain. J'espère que ça me servira encore pour la suite de ma carrière. Généralement, pendant mon temps libre, je dors beaucoup. Je dors beaucoup parce que je sais que j'ai besoin de récupérer. Donc j'essaye de beaucoup dormir. Ensuite, quand je peux, je passe du temps avec ma famille, avec mes amis. Là, ça va être plus au téléphone du coup, vu que je serai un peu loin d'eux. Mais j'essaie surtout de dormir, de me reposer. Oui, aussi je regarde des séries, je joue à la PlayStation. Mais ce que j'aime par-dessus tout, en tout cas, c'est me reposer et être prêt pour le prochain entraînement, le prochain match. Ma mère est française, mais mon papa est né en Haïti. C'est pourquoi j'ai un côté haïtien, un côté français. Mais je suis né en France, j'ai toujours grandi en France, donc je me considère comme un Français. Après, je renierai jamais mes origines. Si un jour je dois jouer pour la sélection haïtienne, je le ferai avec grand plaisir. Mais pour l'instant, je suis focus sur la France parce que je me sens quand même français avant tout. À la base, je devais pas forcément jouer. Je suis rentré parce qu'il y a eu 2 blessés et j'étais pas prêt du tout. Donc j'avais une très grosse pression. Je me sentais très stressé et le fait de jouer contre des grands joueurs comme ça, c'était Neymar, Mbappé, il y avait Cavani aussi à cette époque-là. Et moi, j'allais me confronter à Thiago Silva et Marquinhos. Donc c'est sûr que c'était comme si j'étais dans un rêve. C'est des choses qu'on n'oubliera jamais. Ensuite, j'ai failli marquer, dommage.
Mais en tout cas, je retiens que du positif de ce premier match et j'espère que j'en aurai d'autres à faire de ce genre-là. Ce qui m'a poussé à venir ici, c'est d'abord le projet de développement, le projet de faire jouer beaucoup de jeunes joueurs pour les faire progresser et les développer, pour les amener sur la scène européenne. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse. J'ai des objectifs, je veux jouer dans des grands clubs et le Lokomotiv en fait partie. Mais mon objectif, c'est de disputer des finales avec des champions ou bien disputer des finales de Coupe du Monde avec la sélection. Et je pense que le Lokomotiv peut m'aider à atteindre mes objectifs. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Après, ce qui se passait, c'était qu'à Monaco, j'avais pas non plus beaucoup de temps de jeu. On m'a expliqué qu'ici, j'allais en avoir. Donc c'est pour ça, c'est ce qui a fait aussi la décision que je vienne ici. Et après, j'ai beaucoup parlé avec Thomas Zorn. Et il m'a convaincu sur le fait que Moscou était une très belle ville, que j'allais beaucoup aimer mes partenaires, que niveau foot, ça allait très bien se passer. Donc j'ai pris le temps de réfléchir seul d'abord, ensuite avec ma famille. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision de rejoindre le Lokomotiv. Ça ne signifie pas grand-chose. Après, 9 plus 1, ça fait 10. Donc moi, je fais les choses comme ça. Et j'aime beaucoup aussi le numéro 19. J'aime beaucoup parce que c'est un numéro qui représente aussi en équipe de France, par exemple Karim Benzema. Et j'aime beaucoup ce joueur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre le même numéro. Et puis l'année dernière, j'étais numéro 18. Je suis passé numéro 19. Donc c'est très bien. Ouais, c'est vrai que j'ai fait pas mal de sélections avec l'équipe de France, avec les jeunes. J'ai disputé l'Euro U17. La Coupe du Monde du 17 et ainsi que l'Euro U19. Donc j'ai fait pas mal de compétitions internationales. Et après, si je devais retenir un souvenir, c'est quand j'ai marqué contre l'Irlande du Nord, je crois, ce qui nous permet d'être qualifiés pour la demi-finale de l'Euro U19. Et donc c'était un moment très marquant pour moi. J'ai été très content de qualifier l'équipe. Et c'est vrai que j'oublierai jamais ce moment. Et après, c'est vrai qu'il y a eu quelques parallèles. Parce qu'après, en demi-finale, on a joué contre l'Espagne. Golo, c'est une très très bonne personne, il est très très gentil, c'est un top joueur, il est très fort techniquement, mais top, c'est un top joueur. Et moi, c'est mon ami, donc franchement, j'ai que des bonnes choses à dire sur lui. Et je sais qu'ici, il est très populaire, et quand je lui en ai parlé, quand je lui ai parlé que j'avais la possibilité de venir au Lokomotiv, il m'a dit de venir directement parce que c'était vraiment un très grand club et que j'allais beaucoup aimer ici. Et en tout cas, je suis très content maintenant d'être ici parce que je l'ai écouté aussi. Et voilà. Ouais, c'est vrai que nous, depuis l'étranger, on voit que la Russie, c'est un pays très froid. Mais bon, on prend des affaires pour se réchauffer et puis quand on fait du sport, on a chaud, donc on ne sent pas trop le froid. Ensuite, c'est vrai que j'ai quand même ramené beaucoup d'habits chauds, parce qu'on ne sait jamais. Et puis après, les endroits que j'aimerais visiter à Moscou, franchement, je ne les connais pas trop encore. Mais je compte sur certains de mes coéquipiers, justement, pour m'amener voir ces endroits, pour créer encore une plus grosse cohésion. Et voilà, mais je sais qu'il y a beaucoup de magnifiques endroits à Moscou, et je suis pressé de les visiter. Ravi de faire votre connaissance et on se verra au stade bientôt.